Métro boulot dodo, avant ce fichu coronavirus, c'était le slogan de la monotonie de l'existence. Aujourd'hui, métro boulot, c'est la vie qui reprend. Et pour que le virus reste loin des voyageurs, chaque soir, les rames se dirigent vers les ateliers pour un grand nettoyage. Là, on désinfecte l'intégralité des parois, les barres de maintien, on passe du virucide sur les tissus des sièges, sur les portes, sur les vitres, elles sont toutes nettoyées intégralement chaque soir. Avant la crise, 350 000 personnes empruntaient chaque jour le métro. Aujourd'hui, ils sont un peu moins nombreux, mais la star a augmenté les rames pour que les voyageurs gardent les distances. Alors chaque nuit, il faut désinfecter une soixantaine de voitures. Nathalie et ses collègues ont travaillé tout le confinement et continuent de s'activer chaque nuit. Pour moi, on est super utile pour les passagers, pour les personnes qui prennent le métro, pour les rassurer, pour leur faire voir que quand même le travail est accompli, qu'il y a des désinfections, pour pas qu'ils s'inquiètent quand ils montent dans le métro. Les scientifiques estiment que le coronavirus résiste jusqu'à 6 jours sur les plastiques, 5 sur de l'acier ou du verre. Dans le métro et les stations, il faut pourtant acheter son billet, le poinçonner, se tenir à la rame, au bar du métro. Alors là aussi, les équipes ont été renforcées. Du lundi au samedi, on a minimum sur la ligne 5 personnes qui tournent tout au long de la journée, entre 6h et 20h. Un petit peu moins le dimanche que l'affluence est un petit peu plus faible. Pistolet de virucide en main, Patricia sillonne la ligne du métro. Tous les points de contact sont nettoyés 7 à 8 fois par jour. On a besoin de tout le monde, à vrai dire, à la preuve, dans ces moments-là. Il y a plein de gens qui ont travaillé, qui ont été utiles à la population. Et nous, on en fait partie. Et on a des bonjours qu'on n'avait pas forcément avant. Merci, c'est bien ce que vous faites. Enfin, voilà. Donc c'est encourageux et puis on se dit qu'on n'est pas transparent. Nul ne sait combien de temps toutes ces désinfections resteront nécessaires. Mais tant qu'il y aura besoin d'eux, Nathalie, Patricia et les autres seront là, pour nous tous.